Non, mais c'est surtout que faut aller faire un tour sur TikTok ou Insta. Il y a des drames qui se passent. Il y a des gens qui sont des novices, qui n'y connaissent rien en investissement, etc. Et dans un contexte où, surtout chez les jeunes, qui se disent je veux gagner de l'argent très rapidement. T'as des gens qui sont installés sur des yachts et qui font croire aux gens qu'en investissant dans des fils Telegram ou dans des canaux Instagram, en mettant 100 euros, je peux faire 3000 euros par jour en 24 ou en 48 heures. C'est à ce niveau-là que ça se passe. Et moi, j'irai plus loin que Stéphane. Moi, toutes les diffusions de ce type-là, je suis pour qu'on les arrête. Parce que derrière, il y a des gens qui viennent témoigner en disant « Ben moi, je n'y connaissais rien, j'ai mis toutes mes économies. » Ou des jeunes qui ont mis beaucoup d'argent en espérant et en rêvant sans se dire, et là ça reboucle avec la valeur travail tout à l'heure, il y a quand même une partie de la jeunesse qui pense qu'on peut devenir riche sans travailler. Hein. Et elle est sur TikTok. Donc oui, c'est très grave. Donc il y a toute une éducation, une culture. Ce n'est pas toujours faux non plus. Hein. Ouais, mais c'est risqué. Statistiquement, c'est risqué. Ouais, y a des poissons volants, mais ça ne constitue pas la majorité de l'espèce, n'est-ce pas? Non, mais c'est comme le sportif.